Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Castle Story, toujours en multijoueur avec Katox. Salut Katox. Salut. Et une fois n'est pas coutume, on attend que Monsieur Salé revienne à la vie. Et on avait réussi enfin à régler le bug à la con de la catapulte. Donc on est parti pour essayer d'améliorer un peu les choses. Alors il va nous falloir des balises de soins, il va nous falloir des balises relais, on va commencer à lancer un peu les grandes œuvres, on va prendre des pièges à ours aussi parce que c'est fun. Des chevaliers, on en a suffisamment. Des balises de tir, hein. Ça serait pas mal aussi, quelques balises de tir supplémentaires. Ah, ben, il nous faut des lanternes, hein. On s'est fait tuer nos lanternes. Quand même. Y a plus de lumière, t'es perdu. Bah ouais, regarde, ils sont dans le noir, les pauvres. Allez, c'est dans 30 secondes, les gens. Aux armes. Et tu vas faire comment là? Parce que t'es en train de te fermer dans ton dos aussi, non? Mais je fais une énorme. En fait, le but du jeu pour moi, c'est que mes troupes soient tout le temps à l'abri. Et que, en fait, s'ils veulent dégommer mes troupes sur le mur, ils doivent défoncer le mur. Et alors, s'ils défoncent le premier, je me retire sur le deuxième. S'ils défoncent le deuxième, je me retire sur le troisième. Et en fait, ils ne peuvent aller emmerder mes troupes directement que s'ils passent les deux portes et bah, tout l'aller-retour, quoi. D'accord. C'est de la stratélite. Intéressant, intéressant. Et il y en a qui ont de la réflexation. Ça réflexationne. Ah, du coup, c'est un peu mort puisqu'ils font le tour par ma porte, mais... Ça te donnera l'occasion d'expérimenter. Après, c'est toujours. Moi, c'est comme ça que je fais tout le temps. En fait, c'est les tenir un maximum de temps. Oh merde, ils viennent par. Il y a un gros Je ou pas décide. dans le tas qui risque de nous pousser dans le vide? Il y a des gros qui vont arriver, mais pour l'instant ils sont plus occupés à taper sur ma. Allez, sur mon mur à l'arrière. Ah, ils peuvent l'atteindre. Nous, ils creusent. Ah, merde. Donc, C'est hop. la faille de ta stratégie du mur, quoi. Ouais. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont abattu un bloc, et là, apparemment, ils vont faire un demi-tour. Ouais, c'est ce que je me disais. De toute façon, il y a un deuxième mur derrière, donc je me disais. Il en reste encore? Ouais, je vois des yeux Ouais, là. deux petits là derrière. Je vois des yeux dans le noir là. Il y a un gros là. Non, c'est Ouais. un petit? Non, c'est un gros, il m'a repoussé. Il était caché en train de creuser. Les patates qu'il met, c'est vraiment. Il y a Iron Tront et. Non, j'ai cru qu'il tombait parce qu'il était en train de battre des bras, mais. En fait, il était en train de battre des bras par terre. Allez, Kyrian, relève-toi là. Oh là là, les baffes quoi. Ah, je crois que ça y est. C'est sûr que c'est pas des petites patates, hein. Allez, retournez. C'est quoi la jauge bleue qu'ils ont là? À côté de leur vie. Pour les. Si c'est les mecs avec les boucliers, c'est leur armure. Ah oui, ok, d'accord. C'est ça. Très très bien. Bon, je vais tous les faire déposer les armes parce que l'idée c'est qu'ils avancent le mur là. Ça sert à rien d'avoir des archers permanents tant qu'on n'a pas de mur de toute façon. Il faut qu'ils se bougent un peu, hein. N'est-ce pas? On va baisser un peu la priorité de ça, histoire que tout le monde n'y aille pas. Vous trois là, vous allez bâtir. T'es rendu à combien de briques troncs toi? Là, j'en ai 14.
Ouais, voilà, ça, moi je suis bloqué à 9 du coup. Ouais, Donc mais les c'est... mecs qui ressuscitent, ils consomment bien de l'énergie, hein, c'est bien ce qui me semblait. Bah, soit c'est le mec qui ressuscite, soit c'est le fait que c'est moi qui reste la partie et le mode est mal codé sur le fait qu'il m'envoie toutes les âmes. Bah j'ai C'est quand peut-être même ça pas aussi. mal de petites âmes qui tournent autour de mon truc, mais... Mais c'est vrai. Non, mais là j'en ai eu 3 je crois à ressusciter, donc ça fait un moment que j'ai pas pu en invoquer un, donc je pense que dès que la jauge se remplit, le mec qui est mort revient et du coup il revient à 0 quoi. Parce que 14, tu vois, je suis à 9 là. En comptant tous ceux qui sont morts dans la partie, ça doit faire à peu près 14. Arrête de les faire mourir. Hein. Bah ouais, je sais. Ouais. C'est pas de ma faute hein, s'ils meurent, parce qu'ils sont mauvais. Hein. C'est de la faute à Monsieur Salé. Voilà. Voilà, Monsieur Salé. Qui n'a jamais su apporter son nom. C'est ça, il voulait s'appeler comme ça, bah qu'il assume. C'est cadeau. Voilà. Ça y est, on va commencer à construire un peu là, il devrait avancer ce mur. En plus, c'était un beau mur que j'avais fait, quoi, mais... C'est complètement la déception, quoi. Allez, en avant. Toi, tu mets même pas de lanterne, quoi. Rends-moi ça, tes pauvres briquetrons, ils sont dans le noir. Tellement dans le noir qu'ils sont bloqués à la porte. Oui, je comprends pourquoi ils buguent tous là. T'as fait une catapulte, Après cette porte, il y a une catapulte. Oh mon Dieu, on ne peut plus avancer! non? Qui doit tirer? Qui doit tirer? Mais ils sont vraiment tous là en plus. Ouais, non, mais je sais pas ce qu'ils foutent. Ah, non, ils se sont débloqués ou tu les as fait cliquer ailleurs? J'ai fait cliquer ailleurs. Ils ont tous du bois en plus. Ah non, il y en a un qui a de la caillasse. C'est quoi, je vais. Peut-être planter, est-ce qu'il n'y a plus assez de palettes? Ah, oui, ça peut arriver. Allez, monsieur Salé, reviens à nous. Il y a plein de trucs à saler. Voilà, je crois que ça doit être bon d'un coup. Ah, il y a tellement loin à aller, je crois qu'il galère. Faudra que je fasse un pont par-dessus ma carrière, mais tant que le mur est pas fermé, c'est super risqué, quoi. Parce que du coup, ça veut dire que toutes les. Ils peuvent écourter. Ouais, ils peuvent tracer jusqu'à mon camp. Et en plus, si jamais je suis parti du mauvais côté, c'est-à-dire que je dois devoir leur courir après. Ouais, ça c'est pas le bon plan. Ok, on a terminé de récolter tout le fer qui était disponible. Donc il nous reste un petit peu de soufre. Et après, ce sera 100% construction. La construction et dépilage de tâches, bien sûr. Haha! Je vais reconstruire la lanterne. Auras fait tout ça pour rien. Bah, il m'aura fallu 3 vagues, mais je vais pouvoir reconstruire ma lanterne. Attention. L'économie est rétablie, quoi. Ça L'économie est rétablie. déconne plus. Faudrait que t'en parles à ton président. Arrêtez tout, arrêtez le conseil des ministres. Faites des lanternes. Bordel. Le service Applaudi public par des la... lanternes. Applaudi par l'Assemblée nationale. Ce mec est un génie. Il gagnera 3 millions cash. Et partagera la moitié avec son pote belge. C'est très bien, ça. Ah, tu peux foutre des poutres directement dans les tonneaux de bois, enfin dans les trucs de bois. Oui. C'est bon à savoir. Oui, tu peux faire uniquement des structures en bois. Ouais, mais je savais pas qu'il y avait pas un équivalent de mortaise ou un truc du genre, tu vois. Non, non, le bois, ça se lie automatiquement. Allez les gars, plus vite que ça là, avec vos caillasses sur le dos là. Mais vous allez me dire que c'est lourd en plus. Quel est le scandale? Vous avez des petits bras ou pas? Vous osez vous plaindre?
Ouais, parce que du coup, j'ai toujours pas fait ce foutu chemin de ronde, hein, tellement c'est long. Hein. Monsieur Salé, bientôt de retour parmi nous. Les vacances sont finies. Ouais. On va lui mettre une épée dans les mains, il va retourner mourir. Ça lui apprendra. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe parce que du coup, j'ai un équipement d'alchimiste, mais comme il a pas de bombe, il va aller taper. Il va aller taper à la main. J'ai vu ça la dernière fois. Quand ils ont rien de... Ouais, Quand mais le il. problème, c'est qu'il y ait une bombe et qu'il la balance au hasard, c'est juste plus de faire Bah plus oui, c'est d'effets. ça, ouais. Et le pire, c'est qu'ils vont pas recharger leur bombe tout seul. Faut que ce soit toi qui cliques sur le stock de bombes et il y va et il les prend une par une. Ah ouais, donc c'est vraiment... Ça, j'ai galéré quand j'ai testé, quoi. Il dit, putain, mais le mec, qu'est-ce qu'il fout? Il y a plein de bombes et tout, il y va. Non, non, il allait taper avec ses petits poings, tranquille sur les ennemis. Ah, c'est peut-être l'heure, les gars, là. C'est pleinement l'heure. Allez, aux armes, aux armes. Lâchez tout. Voilà, on a un mec qui a choisi l'alchimiste, et ben c'est pas grave, il aura tapé avec ses petits poings. Ah, mais je crois qu'il y a Monsieur Salé qui est revenu. Oui, il est revenu. T'as pris quoi comme arme, Monsieur Salé? C'est toi qui as pris l'alchimiste, non? Tibbs sera notre clerc pour cette session. Eh oui, Monsieur Salé, c'est lui qui a pris l'alchimiste, donc il va aller taper avec ses petits poings et potentiellement crever. Et Ouh, il y pourquoi il a. passe toujours par ce côté-là? Oh. Bah ouais, il y a une grosse saloperie qui a popé en plus là. Deux grosses saloperies, un peu. Il va Deux falloir grosses que je saloperies. me... Faire que tu y ailles. Bah, oui et non. Après, Au bout d'un si moment, ça ils se passe, je lassent déplacerai quoi. mes troupes. Ouais, mais si c'est trop... Voilà, je déplacerai mes troupes. Va se mettre juste là. Tibbs, par contre, peut-être mettre en aura de soin. Putain, il va vachement plus lentement quand il est en aura de soin, hein, la vache. Je crois que Monsieur Salé a un petit stock de bombes personnelles. En tout cas, il m'a semblé voir une explosion. Bah, ils sont tombés dans le vide, ces cons. Ah ouais, ça Ah explose un ouais. peu là. Donc, il commence avec un stock de bombes personnelles, c'est intéressant. En avant les gars, bougez-vous les archers, vous êtes trop loin là. Ah merde putain, il est repassé en tir parce que je lui ai demandé d'attaquer. Non, on va perdre quelqu'un, bordel. Encore quelqu'un qui est mort? Ouais, mais ouais, j'ai pas fait gaffe que le clerc là, il repassait automatiquement en tir si tu dis d'attaquer en fait. Alors, Monsieur Salé, t'as plus de bombe, mais tape avec tes poings, ça sera toujours ça de pris. Bon, bah, je crois que c'est bon là. Bon, qui est mort? Je ne sais pas. Ouais, on verra ça. C'est pas Suspense. Monsieur Salé déjà. C'est Dame quel... Nedella, Mega est là. Iron Tron est là. Wob est là, Danton est là, Kyrian est là, Charles Martel est là. Qui c'est qui manque? Je ne saurais dire. Ouais, bah, je sais pas dire non plus là. Bon, bah, écoute, on verra, hein. On verra quand son âme sera revenue parmi nous. Cette carrière-là, elle est terminée? Non, cette carrière-là, elle n'est pas terminée. Absolument pas. Elle n'est absolument pas terminée, la carrière.
Voilà, on en a zéro qui glande. Parfait. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va mettre une priorité supplémentaire sur ce truc-là. On n'a plus que deux chevaliers, à la rigueur quand on en aura plus, ce sera très bien, ils resteront sur les murs de toute façon. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est toujours moi qui vais les finir parce qu'ils tapent sur tes murs à l'arrière là, qui sont pas défendus. Bah ils reviennent à chaque fois vers le centre. Bah ouais, mais du coup moi j'y vais et bah je me fais buter. Faut pas y aller, c'est pour ça qu'on a des tourelles. C'est ça. C'est exactement ça. Donc une fois que j'aurais plus que des tireurs, j'aurais plus la tentation d'y aller. Et j'irais plus, du coup. De fait. Ah, c'est Papillote qui était mort. Bah oui, bien sûr, Papillote. Enfin, bien sûr. Désolé, Papillote, hein, mais... Est-ce qu'il nous reste des planches? Ouais, il nous reste des planches, ça va. Là, je suis en train de corriger la défense, tu vois. Je vais taper encore une grosse carrière derrière. Comme ça, en gros, ils peuvent passer par les deux petits murs. Peu importe, il y a une carrière dans le fond. Bah après, fais gaffe, t'as vu qu'ils ont tendance à tomber dedans, les carrières. Ouais. S'ils veulent, ils peuvent, quoi. Non, c'est sympa ton miron là, j'avoue. Il y a de l'idée. De quoi? Bah, ton double mur là. Avec le petit escalier qui descend direct, ils peuvent prendre leur descente là, y arriver, c'est sympa. Ouais, et puis, ouais, si tu regardes bien, ils peuvent pas. Tu vois, sur n'importe quel mur, le seul moyen d'y accéder, c'est de passer par le tout premier accès. Qui est au-delà des deux portes, quoi. Mais par contre, t'as un peu un trou dans ton mur quand même là. Faudrait que tu répares. Ah ouais. Il a un peu pris cher, quoi. Effectivement. Bon, là ils sont à 100% sur bâtir, les mecs, donc on va les laisser travailler un peu comme ça. Ce que je voulais te faire, c'est une tâche de réparation. Hop. Et on va commencer à planifier la suite. Alors la suite, ce serait leur permettre de descendre par là. Ce serait assez cool, ça. On va peut-être commencer à leur demander de construire une porte aussi. Hop, je veux une porte. Voilà. J'ai pas fait masse de parapets d'ailleurs sur ce schéma là. Oula! Ah! Katox! Ah, je crois qu'on a une petite déco. Oui, on a une petite déco. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On va s'arrêter là, du coup ça fera un petit épisode, désolé. Mais on se retrouve vite pour la suite. Merci à toutes et à tous!